On remet ça,
On y va. Toi-même, tu sais que moi, je sais que ce pays connaît. Si elle ne joue pas son or, le mot, ça sera pas tout. Entendre un triomphe d'ovation pour le père, papa Laurent Gbagbo. Merci d'être vous. Merci. Grande ovation pour le cœur Vox Angelus. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Infini merci. Infini merci. 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 Veuillez vous asseoir. Nous demandons également aux photographes, aux preneurs de vue, de bien vouloir s'asseoir pour ne pas gêner le public. Merci beaucoup. On va revenir à vous. Merci. 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 Je sais que là, c'est au Bougon. Je vous reconnais. Voilà. Merci. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, camarade ministre Assouadou, président du Conseil stratégique et politique, CSP, camarade ministre Marc Arthur Hubert Houlaye, président exécutif. Camarade Meda Damana Adia Picas, secrétaire général. Camarade membre de la haute direction et de toutes les structures du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, camarade vice-président exécutif Stéphane Kipré, superviseur de cette journée d'échange entre le président Laurent Gbagbo et la jeunesse, sa jeunesse. Excellences, Monsieur le Président, vous connaissez déjà
vos invités de ce jour. Vous savez que étudiants, ils dorment dans les amphithéâtres, salles de classe et sur les gazons des universités du pays. Vous savez que diplômés, ils n'ont pas d'emploi. Vous savez que planteurs, leurs produits agricoles ne sont ni écoulés ni achetés au juste prix. Monsieur le Président, vous savez que dans leur milieu, le suicide bat son plein. Excellence, Monsieur le Président, malgré le poids de cette difficulté, de leur misère, à votre appel, ils ont répondu hier et imprimé leur présence massive pour parler comme un ami journaliste, reporter, à l'éclatantissime succès de l'interminable défilé de plus de 3 millions de participants. À la fête militante, dans la première édition de la fête de la Renaissance, supervisée par notre secrétaire général, votre secrétaire général Damana Adia Picasse, à Yopougon. Ils ont répondu présents ce jour à votre invitation pour échanger. Camarades jeunes, habituellement, les décideurs décident à votre place sans vous consulter. Rien que pour cela, je vous demande de vous lever et d'applaudir pendant une minute le président Laurent Gbagbo. Merci. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président, voici vos invités. Voici la jeunesse. Voici votre jeunesse venue jusqu'à vous, chargée de problèmes. Et Dieu. Qui va les sauver? Tout à l'heure, vous allez échanger avec ces jeunes sous la modération de l'excellent journaliste Aberic Niango Agbassi, juste en face de vous. Mais, pour l'instant, je voudrais inviter à ce micro la cheville ouvrière de l'organisation de cette rencontre, le camarade vice-président exécutif Stéphane Kipré, superviseur de cette journée, pour son mot de bienvenue. Stéphane Kipré. Jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais qu'ensemble on puisse se lever et acclamer notre chef, acclamer notre leader, acclamer celui qui a donné toute sa jeunesse, tout son combat pour nous, le président Laurent Gbagbo. Je voudrais qu'ensemble, on puisse lui dire merci pour le don de soi. Merci. Camarade président du CSP, camarade président du exécutif du parti,
camarades membres de la direction, chers camarades secrétaires généraux, membres de la direction, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu soutenir la jeunesse. Mais je voudrais dire une seule chose, que le président nous a fait l'honneur. C'est pour la première fois qu'un leader africain décide de venir écouter les jeunes. On a l'habitude de décider sans nous. On a l'habitude de décider pour les jeunes, sans les jeunes. Et nous étions à Zopé quand le président Laurent Gbagbo a décidé d'écouter la jeunesse. Et il nous a fait l'honneur de pouvoir superviser, dans le cadre de la fête de la Renaissance, cette activité. Il nous a dit, je veux parler aux jeunes, mais je ne peux pas parler aux jeunes de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas parler aux jeunes africains sans écouter ces jeunes. Et pendant plus de 10 jours, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à tous les chefs de mission qui sont partis partout pour écouter les jeunes. Pendant plus de 10 jours, nous avons pris les préoccupations et nous avons ramené ces préoccupations au président. Et la crainte que nous avions, c'était de dire que est-ce que le 1er avril n'allait pas être un poisson d'avril? Et le président nous prouve qu'il est possible que le 1er avril ne soit pas un poisson d'avril. Je voudrais, jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais ensemble qu'on puisse aussi dire merci. Le président a témoigné hier. Je voudrais qu'ensemble on puisse dire merci à celle qui a bravé la route de la haie tous les jours pour accompagner le président Gbagbo, notre maman Nadi Bamba. Je voudrais te dire merci. Merci. Merci parce que elle nous a prouvé que la jeunesse est dans la maison du président Laurent Gbagbo hier, sous le son de Didier Arafat. Merci encore. Nous ne sommes pas venus pour de grands discours, mais nous sommes venus l'écouter. Nous sommes venus pour qu'il puisse répondre à nos préoccupations. Nous lui avons apporté les préoccupations dans le livre blanc. Vous nous avez dit, allez lui dire que nous souffrons. Vous nous avez dit, allez lui dire que depuis plus de 10 ans, nous ne savons pas où mettre la tête. Nous vous avons dit, allez lui dire que depuis plus de 10 ans, les jeunes de Côte d'Ivoire ne savent plus rien faire. Et aujourd'hui, jeunes de Côte d'Ivoire, notre chef, notre leader, celui qui s'est offert pour l'Afrique, a décidé de nous répondre. Soyons attentifs et prenons ses réponses pour pouvoir partir partout dans la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, et de dire que Gbagbo Laurent nous a répondu, l'espoir est revenu dans notre cœur. Gbagbo Laurent nous a répondu, nous avons décidé de revivre. Président, merci. Merci pour ce temps que tu accordes à la jeunesse. Merci pour le don de soi que tu es. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont là. Je voudrais terminer pour dire qu'il n'y a aucune salle en Côte d'Ivoire capable de pouvoir contenir toute cette jeunesse qui était prête à t'écouter. Nous avons tout essayé. Et la seule chose que nous avons trouvée comme solution, c'est que nous soyons en direct sur les réseaux sociaux. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde et dire que le président vous écoute aussi. Il répondra à vos préoccupations. Que Dieu bénisse Gbagbo Laurent. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que ensemble, nous soyons debout pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie. Ovation nourrie pour Stéphane Kipré. Excellence, Monsieur le Président, tout à l'heure, la parole va être donnée à Béry Niango pour commencer cette séance d'échange avec les jeunes. Mais de hautes personnalités sont venues un peu de partout et hors de Côte d'Ivoire pour assister à ce qui va se passer. Je souhaite que tout le monde retienne qu'il est
avec sa délégation, encore avec nous, le président du Social Democratic Front du Cameroun, Ni John Frundi. Sa fondation l'a dépêché ici pour observer ce qui va se passer, parce que c'est une fondation qui s'occupe aussi des problèmes de jeunesse. Docteur Félix Gertz, il représente la fondation Friedrich Ebert Stiftung. Friedrich Ebert. L'organisation néo-panafricaniste de souveraineté du Gabon est toujours là avec son président Ngomo Priva. L'urgence panafricaniste et Ligue des patriotes du Burkina Faso est là. Elle est conduite par Kissou Félicien, Traoré Aruna, Gissou Boris, Nikema Salif et Sawadogo Karim. Levez-vous pour qu'on vous applaudisse. Ils étaient là avec nous hier, ils sont là aujourd'hui. Excellence, cette fois, dans sa partie jeunesse, il s'agit de la jeunesse du PDCI RDA. Dans ses trois démembrements, voilà, Bédier. Oui, la jeunesse de Bédier, Henri Conan. Il s'agit de ces trois démembrements. JPDCI urbain, JPDCI rural, JPDCI scolaire et universitaire. Toutes ces structures sont conduites par le président de la JPDCI scolaire et universitaire, M. Kouadio Joël. Qui a à ses côtés, puisqu'il s'agit des jeunes, il faut les nommer parce que demain, les menteurs vont dire que c'est faux. Ils sont venus, il est venu avec Madame Lat Yolande. Voilà. Monsieur Blé Emmanueli. Et Monsieur Ago. Voilà. Il est. Excellent Monsieur le Président, nous avons le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, conduite par une délégation forte de 5 membres. Nous avons Monsieur Amani Fortune, chef de délégation, Monsieur Keïta Moussa, Monsieur Fanny Aboulaye, Monsieur Garasouba Ibrahim, Monsieur Kone Mohamed. Nous avons Planète Jeune, l'organisation Planète Jeune Panafricanisme, section de Côte d'Ivoire, avec la délégation de 3 personnes. Kobena Fidèle, Kabore Amadi et enfin Depe William André. Excellence, Monsieur le Président, quand j'ai fini de planter ce décor, je m'efface et je laisse la place à mon confrère Albéric Niango pour diriger le débat. Albéric, à vous l'antenne. Merci beaucoup, César. Nous allons donc démarrer l'entretien. J'attends
Bonjour, Excellence, Monsieur le Président. Bonjour, en arrivant, bonjour. Merci. En arrivant aujourd'hui dans cette salle du Palais de la Culture de Trècheville, nous avons été surpris de voir des objets de votre vécu quotidien. Est-ce à dire que vous avez pensé recevoir tous ces jeunes chez vous à domicile pour cette rencontre d'échange? Oui, je... Je voulais discuter avec les jeunes à la maison. Je voulais que chaque jeune vienne à la maison pour qu'on parle. Mais Albéric, vous voyez bien que c'est impossible. Vous voyez bien que c'est impossible. Alors j'ai amené ici quelques éléments qui sont dans mon salon. Les chaises baoulées sont dans mon salon. Je mets dessus mes mouchoirs en papier. Je dépose dessus des verres d'eau, des verres de jus de coco, parce que je bois beaucoup de jus de coco. Et puis ces fauteuils-là, je les ai à la maison. C'est là-dedans que je m'assois. Hein. Quand je reçois des hôtes, quand je reçois des amis, mais je ne peux pas recevoir tous ces jeunes et tous les jeunes de Côte d'Ivoire à la maison. Je n'ai pas une maison assez grande pour ça. Je n'ai pas une maison assez grande. Donc, le fait d'amener ces objets ici, c'est comme si je les recevais tous un peu chez moi. Merci. Merci les jeunes. Merci d'être venus à la maison. Il y a donc beaucoup de chaleur autour de vous aujourd'hui. Hier également, à Yopougon, c'était une mobilisation extraordinaire. Nous allons donc faire un break et puis aller à Yopougon. Vous y avez prononcé une allocution et au cours de cette allocution, vous avez parlé de la recherche de la vérité concernant ce qui concerne la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser votre pensée en ce qui concerne cette vérité que vous voulez que ce soit su? Oui, je vous remercie de me poser cette question. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire est grave.
est très grand. Est très grave. Bon. Et je pense que ce fait grave mérite un autre sort que celui qu'on lui a donné jusqu'à présent. On arrête quelqu'un, on le jette à la CPI. Maintenant, on se rend compte à la CPI que ce n'est pas la bonne personne qui est venue. Donc, la bonne personne est quelque part. Si c'est lui qui est venu, n'est pas le coupable, s'il n'est pas le responsable des atrocités. Comme il y a eu des atrocités, il y a un responsable. Donc, je souhaite qu'on le recherche. Je souhaite que la Côte d'Ivoire cherche la vérité. Et les victimes que moi j'ai rencontrées, elles cherchent la vérité. Mais vous voyez, moi, tout est derrière moi. Je ne cherche pas la vérité comme un point focal de vengeance. Non. Je ne souhaite pas que nous, les non-coupables, nous nous vengions des responsables. Mais je souhaite qu'on les voit et qu'on les connaisse. Sinon, je ne les recherche, je recherche pas la vérité pour me venger. Non, ça c'est passé. Oui, je rencontre même des gens avec qui je n'étais pas dans le même camp en 2010. En 2011, je cause avec eux, donc ça ne me gêne pas. Donc, il ne faut pas qu'ils craignent. Il ne faut pas qu'ils craignent la vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Mais il faut la vérité. Mais il faut la vérité pour qu'on sache, pour que la Côte d'Ivoire sache un jour qu'un tel avait posé un acte et cet acte n'était pas bon. Et pour que les autres Ivoiriens ne cherche plus à poser de tels actes. Voilà, c'est tout. Les jeunes que vous avez invités, ils sont là, très nombreux, venus de divers horizons pour vous écouter. Peut-on avoir, en savoir du moins, les motivations de cette rencontre? Oh. Cette rencontre est une discussion. Moi, j'ai eu leur âge. Il y a aussi ici mon fils, il y a ici ma fille, etc. Mais beaucoup sont
beaucoup sont mes copains, beaucoup sont mes amis, on discute, on cause, mais il faut causer pour partager les problèmes. Il faut causer pour se dire les choses. Quand quelqu'un t'a dit ses problèmes, tu le comprends mieux. Tu le traites mieux. Tu le respectes plus. Ces jeunes-là, il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on les respecte. Vous savez, près de 70% de la population ivoirienne est jeune. Au sens où ils ont moins de 35 ans. Mais que voulez-vous faire avec un pays où 70% des habitants ont moins de 35 ans et n'ont pas de travail? Vous voulez faire quoi? Ils ont moins de 35 ans et ils n'ont pas de travail. Nous, les parents d'aujourd'hui, on leur dit allez à l'école. Mais ils vont à l'école, ils viennent avec des diplômes et ils dorment au salon. Et ils dorment au salon. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, c'est pour causer et les connaître. Et connaître, oui. Et connaître leurs problèmes et la nature de ces problèmes-là pour chercher à leur trouver des solutions. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Quels sont les moyens institutionnels dont vous disposez pour agir, c'est-à-dire pour aider les jeunes à résoudre toutes les préoccupations qu'ils vont vous soumettre aujourd'hui? Rien. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui doit caractériser nos discussions, la vérité. Quand on n'est pas au pouvoir, on ne dispose quasiment d'aucun moyen pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Parce que les problèmes qu'ils ont, c'est de trouver du travail. Mais quand demain on sera au pouvoir, quand demain on sera au pouvoir, on a tous les moyens. Or, demain,
se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Mais quand même, entre rien et tout, il n'y a pas un vide. Il n'y a pas un vide. On peut se débrouiller. Tant qu'on n'a pas le pouvoir d'État, on peut trouver des petites solutions. Et je pense que une de mes collaboratrices va vous expliquer un peu tout à l'heure ce qu'on a pensé sur ce point-là. Mais entre rien et tout, il n'y a pas de néant. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Alors, vous avez mis en place plusieurs comités pour l'organisation de cette rencontre, dont le comité scientifique présidé par l'honorable Jean-Gervais Tchéidé. Maître Habiba Touré va nous en dire plus sur les réflexions de ce comité. Nous l'invitons donc au pupitre. Ok. Habiba. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la direction du parti, très chers invités. Monsieur le Président, lors de votre meeting à Adzopé, vous avez donné rendez-vous à la jeunesse pour s'asseoir et discuter avec elle de ses préoccupations, bien sûr, mais aussi de ses aspirations, de ses rêves et de ses attentes. Conformément à cette invitation et en vue de la rencontre de ce jour, 13 rencontres sont intervenues entre le 10 et le 19 mars 2023 sous la supervision du premier vice-président exécutif Stéphane Kipré. Ces rencontres, c'était afin d'écouter les jeunes et de recueillir leurs préoccupations. Les questions qui vous ont été posées et qui vous seront certainement reposées aujourd'hui, reflètent encore l'essentiel des préoccupations des jeunes qui, finalement, Monsieur le Président, n'aspirent qu'à vivre dans la dignité. Qu'il s'agisse des difficultés rencontrées dans l'enseignement, en matière d'emploi, de l'accès aux soins, du coût de la vie, de l'immigration clandestine, de la justice et encore des droits de l'homme, c'est en réalité toujours la même question qui se pose, celle de la dignité. Comment vivre dignement face à tout ce qui a été dénoncé par cette jeunesse? C'est en réalité la question qui est posée à vous, Monsieur le Président, mais également à votre parti. Quelles sont les propositions de notre parti pour permettre à la jeunesse de recouvrer sa dignité, pour lui permettre de vivre dans la dignité? C'est dans cet esprit que vous avez voulu que le PPACI fasse des propositions concrètes à la jeunesse, qui soient une réponse à leurs préoccupations. Pour ce faire, vous avez mis en place un comité scientifique avec à sa tête l'honorable député Thierry Desjean-Gervais, à qui vous avez demandé
de vous synthétiser l'ensemble des préoccupations et que vous puissiez en dégager des propositions concrètes pour la jeunesse. Monsieur le Président, ce comité composé des camarades Bowie, Hilaire, Bazon, Joël, Komono, David, ainsi que moi-même, a travaillé sans relâche afin de vous aider à faire des propositions à la jeunesse. C'est donc conformément à vos instructions, Monsieur le Président, que parmi les nombreuses propositions portées par le PPACI et que nous développerons le moment venu, nous pouvons d'ores et déjà en évoquer quelques-unes aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur le Président, il convient de rappeler que pour vous, la cohésion nationale doit être le socle de tout programme politique. Un véritable processus de réconciliation devrait être engagé. Cette instance serait mise à profit pour élaborer un ensemble de valeurs communes aux Ivoiriens, c'est-à-dire la primauté de la République, les libertés publiques, la démocratie ou encore l'indépendance de la justice. Ce renforcement de la cohésion nationale induirait un climat social apaisé, ayant un impact positif sur l'environnement des affaires. C'est donc dans cet esprit que s'inscrivent les propositions du PPACI. Le PPACI propose ainsi la mise en œuvre d'une véritable politique d'éducation-formation. Il s'agira alors d'assurer un droit effectif à l'éducation en s'assurant que chaque jeune Ivoirien sache au moins lire, écrire et compter. Il s'agira d'assurer la disponibilité des moyens humains, administratifs, politiques, pédagogiques, financiers et matériels à travers la régionalisation qui apparaît comme la clé de voûte de la réforme scolaire et universitaire. Il s'agira également de fournir un enseignement et une formation adaptée au marché du travail, de façon à limiter le chômage chez les jeunes. Il s'agira aussi de procéder à la création de centres de formation aux métiers de l'agriculture avec internat dans chaque chef-lieu de région. Il s'agira encore de favoriser la valorisation des acquis et expériences professionnelles en permettant aux jeunes de valider tout ou partie un diplôme en fonction de l'expérience acquise sur le terrain. Trop souvent, les jeunes travaillent souvent très tôt, n'ont pas de diplôme et ne peuvent pas faire valoir leur expérience réelle qu'ils ont d'un métier. Donc cette proposition vise justement à reconnaître les acquis de ces jeunes. En plus de ces propositions, il a été fait le constat de ce que bien des jeunes nourrissaient l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, leur précarité financière ne leur permet pas souvent de concrétiser leurs projets. C'est pour cela que nous proposons la mise en œuvre d'une banque de l'emploi qui aura pour objectif d'octroyer des prêts, notamment aux jeunes, afin de favoriser l'entrepreneuriat en les aidant à s'installer. Cette offre part du constat que la fonction publique est saturée et que la jeunesse de Côte d'Ivoire a souvent plein de projets de nature à nourrir le secteur privé, mais qu'elle ne peut pas mettre en œuvre, faute de moyens. Tout le monde n'est pas le fils d'eux. Cette banque de l'emploi sera donc dédiée au financement des projets, notamment ceux des jeunes, dans le secteur privé, en les assistant durant tout le processus de financement de leurs projets. Le PPACI entend aussi, dans le domaine du sport, Monsieur le Président, à développer le sport de compétition, en développant non seulement les infrastructures, mais aussi en définissant un cadre institutionnel et réglementaire clair. Mener une véritable politique dans le domaine du sport ne doit pas être négligée,
car c'est un facteur non seulement d'intégration, mais aussi d'éducation à la citoyenneté en impliquant l'école et les collectivités locales. Ce sont là, Monsieur le Président, quelques éléments du programme du PPACI, car nous n'allons pas non plus tout dévoiler aujourd'hui. Cela étant, vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous pourriez très bien nous répliquer que les promesses là qu'on vient de faire, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Après tout, vous pourriez très bien penser que tout ce que nous venons de dire ne sont que de belles promesses de politiciens sans lendemain. Vous pourriez le penser et vous avez cette légitimité. La jeunesse a malheureusement, il faut le reconnaître, souvent été utilisée, puis jetée, abandonnée. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a exigé que le PPACI propose aussi des mesures urgentes qui devront être mises en œuvre immédiatement. L'objectif, ce n'est pas de vous faire des promesses aujourd'hui, quand on aura le pouvoir, on va faire, et puis vous attendez 2025 et après on vous met de côté. Vous devez voir maintenant, c'est maintenant qu'il faut résoudre vos problèmes. C'est maintenant que vous voulez des solutions, pas demain, maintenant. Et c'est parce que vous voulez des solutions maintenant qu'à l'occasion des élections locales, ça sera l'occasion pour le PPACI de mettre en œuvre des mesures urgentes, afin que la jeunesse, elle puisse juger et voir. Est-ce que le PPACI tient ses promesses? Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour 2025? C'est maintenant que vous allez nous juger. Testez-nous. Exigez de nous des réponses et des résultats qu'on pourra mettre en œuvre dès maintenant. Et les élections locales sont là aussi pour ça. Le PPACI s'engage effectivement clairement auprès de la jeunesse par la mise en œuvre de mesures que nous pourrons immédiatement appliquer à l'occasion de ces élections. On s'engage notamment à créer des commissions jeunesse dans chaque commune et région que nous allons diriger. Ces commissions seront un organe consultatif composé d'un collège de jeunes de la région ou de la commune. Et elle devra réfléchir et proposer des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les jeunes dans leur commune ou dans leur région, dans le but d'y remédier. Les candidats élus du PPACI devront aussi privilégier la conclusion de contrats avec des prestataires qui s'engageront à embaucher les jeunes de la commune et de la région. Les prestataires, certes, c'est vrai, hein, ils vont fournir un service dans la commune et la région, mais pour ça, là, s'ils veulent l'argent de la commune ou de la région, ils n'ont qu'à embaucher des jeunes de la commune et de la région. Cela a le mérite de réduire le chômage local en absorbant la main-d'œuvre résidente dans chaque ville et chaque région. Chaque candidat du PPACI devra encore indiquer clairement dans son programme les programmes d'action pour la jeunesse en termes d'insertion professionnelle et de financement des projets rentables. Le parti entend encore créer un cadre national de concertation entre le PPACI et la jeunesse ivoirienne. Ce cadre se veut être une institution permanente qui va prendre le relais de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la rencontre, là, elle ne fait que commencer. Elle doit se poursuivre. Vous devez, vous, jeunes, pouvoir accéder au président du parti et au cadre de la direction pour exiger des comptes et des réponses à vos interrogations. Enfin, c'est la dernière proposition d'urgence immédiate que l'on fait,
chaque candidat du PPACI, je dis bien chaque candidat du PPACI aux élections locales, devra obligatoirement intégrer des jeunes dans les conseils municipaux et régionaux. C'est important. Ça, c'est important pour le président, c'est important pour le PPACI, car il s'agit de faire participer la jeunesse à la prise de décision, tout en la formant dans la gestion des affaires publiques. On passe le relais doucement à la jeunesse pour qu'elle puisse diriger elle-même demain. La jeunesse ne doit plus se laisser considérer comme un bétail électoral. La jeunesse doit être un acteur du changement. C'est le souhait du président Gbagbo. La jeunesse doit effectivement aussi prendre ses responsabilités en s'engageant et en exigeant. Cette dernière proposition du parti est une main tendue à la jeunesse pour l'aider justement à agir et à ne plus subir. La jeunesse ne peut pas rester là à attendre le changement. Elle doit y participer, elle doit y contribuer. Et par ses propositions concrètes à court terme, elle pourra agir pour recouvrer sa dignité. Elle peut agir pour le changement, elle peut agir pour ses libertés. Je vous remercie. Merci. Merci, Maître Habiba, pour cet exposé. Mais avant de vous laisser partir, comme vous êtes jeune aussi, je voudrais vous poser tout juste une question. Dites-nous, vous qui êtes né en Europe et qui avez grandi, étudié, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout laisser pour suivre en Côte d'Ivoire un homme politique comme Laurent Gbagbo, que la communauté internationale traitait hier d'infréquentable et de criminel? Merci pour la question. Alors, c'est vrai que je suis avocate, j'exerce toujours à Paris et je fais la navette entre Paris et Abidjan pour le moment. Mais il est vrai que rien dans mon parcours ne me destinait à m'engager auprès d'un homme politique ou même en politique tout simplement. Rien. J'étais vraiment la jeune de la diaspora en Europe, mais typique, dont les préoccupations étaient les études, le job étudiant et les amis, la fête quoi. C'était mes préoccupations. La politique, c'était pour les parents, c'était pour mon père en particulier, qui discutait, qui débattait de la vie politique ivoirienne. Mais je ne me sentais pas particulièrement concernée, pour être honnête. Et puis un jour, mon père m'a demandé, mon père qui est avocat aussi, m'a demandé de le suivre. Il devait rendre visite au président Laurent Gbagbo avec d'autres confrères. Et il m'a demandé de le suivre. Bon, quand les papas parlent, on s'exécute. Donc je l'ai suivi. À cette rencontre, on était tous là et puis le président est rentré. Il nous a tous salués et il a parlé avec chacun d'entre nous. On ne va pas se mentir, hein. Rencontrer un président de la République, c'est intimidant. C'est vrai. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas été intimidée. Je n'ai pas été intimidée parce qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, il m'a touchée. Quand je dis qu'il m'a touchée, il m'a touchée par son humilité. Il
m'a touchée par sa bienveillance. Mais vraiment, je me suis dit, hein, comment un président de la République, quelqu'un qui discute avec les grands de ce monde, et puis il prend une petite fille, il s'assoit à côté d'elle, et puis il discute. J'ai été touchée. Vraiment. Il ne s'est pas comporté comme un président de la République, en tout cas l'image que l'on peut se faire. Il s'est comporté comme un papa qui écoute sa fille. Ça, c'est ça le président. C'est ça le président. Il aime les gens. Il aime profondément les gens. J'ai eu l'occasion après ça de le revoir plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai revu le président, mais je ne peux pas dire que je l'ai rencontré. Je l'ai vu plusieurs fois. Je ne l'ai pas rencontré. Ma rencontre avec le président Laurent Gbagbo et avec la Côte d'Ivoire, c'était une rencontre brutale. Cette rencontre, c'était le 11 avril 2011. Ce jour-là, toutes les cellules de mon corps m'ont crié que j'étais ivoirienne. Je vais être honnête, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais accepté les bombardements de la Côte d'Ivoire pour un contentieux électoral. Jamais. Je n'ai jamais accepté qu'on puisse humilier toute une nation et son dirigeant pour un contentieux électoral. Jamais j'accepterai ça. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'emprunter le chemin de la dignité aux côtés du président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré le président Gbagbo ce jour-là, mais je ne l'ai pas connu ce jour-là. Il a fallu du temps. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas connu au pouvoir. Donc ce n'est pas les apparats du pouvoir qui m'ont séduite chez lui, qui m'ont convaincue de m'engager à ses côtés. C'est sa résilience et sa dignité à mener le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ça. C'est cette foi inébranlable. En ce qu'en menant le combat, nous allons gagner à faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique des États souverains et libres. C'est vrai, hein, on voit beaucoup de nos compatriotes, de jeunes Ivoiriens, tenter la traversée de la Méditerranée. Ils vont se tuer, et pour les plus chanceux, ils se retrouvent de l'autre côté, à mendier, dans la clandestinité, bref, en l'absence de toute dignité. Je ne peux pas leur reprocher de faire ça. On comprend. Pourquoi ? Mais quand vous n'avez plus de dignité, quand vous ne croyez plus en rien, vous n'accordez même plus de valeur à votre propre vie. Le combat du président, c'est aussi ça. Donner à chaque Ivoirien, redonner à chaque Ivoirien sa dignité. Personne n'aime vivre loin de son pays. Personne n'aime vivre dans l'exil. Personne ne souhaite pour son enfant qu'il croupisse ou qu'il meure dans les mers de la Méditerranée. Personne. Et c'est pour ça que je suis convaincue que la seule façon pour nous, la jeunesse ivoirienne, africaine, d'aspirer à une vie meilleure, c'est de se battre pour notre dignité, de se battre pour notre souveraineté, de se battre pour que ce soit nous qui décidions et personne d'autre à notre place. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci. Merci beaucoup, Maître Habiba.
Monsieur le Président, ce témoignage poignant nous amène, Habiba en a parlé un peu, à vous poser la question sur l'immigration clandestine. D'accord, donc nous allons passer à la question sur... Elle a également parlé aussi de la Banque de l'Emploi. Entre la Banque de l'Emploi et le Fonds de soutien de l'emploi, quelle est la différence, quel est le bénéfice pour les jeunes d'avoir plutôt une Banque de l'Emploi qu'un Fonds de soutien à l'emploi? Tout est bon, mais vous savez, c'est moi qui ai créé la BNI. La BNI, la Banque Nationale Ivoirienne. Parce que c'était la CAA, la Caisse Autonome d'Amortissement. Et quand je suis arrivé, l'idéologie triomphante était que rien ne devait être national. Rien ne devait appartenir à l'État. Tout devait être privé. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'État doit avoir ses instruments d'intervention dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé, etc. Ceux qui veulent tout privatiser, je ne suis pas leur ami. Il faut du privé. Et le privé rend beaucoup de services. Mais penser que tout doit être privé, c'est une erreur fondamentale que je ne suis pas prêt de commettre. Et donc, j'ai créé la BNI qui a rendu beaucoup de services à beaucoup de gens qui voulaient créer des entreprises. Vous voyez, aujourd'hui, regardez la physionomie de l'économie ivoirienne. La physionomie de l'économie ivoirienne. On veut que tout soit privé. Mais on se rend bien compte que tout ne peut pas être privé. On se rend bien compte. Même le pont là, même le troisième pont, moi j'ai trouvé les plans
du troisième pont sur mon bureau. J'ai appelé le directeur du BNET. Je lui ai dit, va m'étudier ça. Avec les investisseurs étrangers, allez m'étudier ça. Moi, je ne peux pas comprendre quand Marcory et Cocody, on est un péage. J'ai dit, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait le pont au feu Boigny où il n'y a pas de péage. Le pont Charles de Gaulle où il n'y a pas de péage. Et qu'on en fasse un troisième où il y a un péage. Non. Et on est resté sur ce débat jusqu'à ce que la guerre éclate. Parce que quand tu gouvernes un pays, ce qui ne te semble pas bon pour le pays, ne le fais pas. J'ai dit au directeur du BNET d'étudier avec les partenaires les sources de revenus pour financer le troisième pont. Parce qu'on peut trouver des sources de revenus. Il y a des choses, si on vous le dit, vous allez être étonné. Pour ceux qui fument, si on augmente le paquet de cigarettes de 10 francs et que ces 10 francs rentrent dans la caisse d'État, ça fait des milliards. Les boîtes de sardines, si on augmente les boîtes de sardines de 10 francs, ça fait des milliards qui rentrent dans la caisse de l'État. Bon, donc, on peut trouver par les impôts indirects comme ça, et ce que nous faisons souvent quand nous sommes au pouvoir, de trouver des sources indirectes de financement des projets lourds. Mais quand on le fait, le citoyen ne se rend même pas compte qu'il est en train de construire un pont. Au lieu de ça, mettre un péage à 1000 francs, c'est-à-dire 500 francs aller, 500 francs retour, entre Marcory et Cocody, je trouve ça ridicule. C'est mon point de vue. Donc, on a beaucoup de conceptions
il y a beaucoup de conceptions de la gestion de l'économie, de la gestion de la santé, de la gestion de tout quanti. Alors, bon, ceux qui gagnent les élections appliquent leur vision. C'est ce que vous voyez. Vous avez vu les miennes. Par exemple, j'étais d'accord pour le péage sur l'autoroute. Voilà, j'étais d'accord. Même pour les deux péages. Et en Zéadouan, proche du deuxième péage, j'ai même fait construire là-bas une caserne de sapeurs-pompiers. J'ai dit, on ne sait jamais. Peut-être que à cet endroit-là, il y a l'eau, des voitures peuvent tomber, peuvent déraper. Bon, j'ai fait construire une caserne de sapeurs-pompiers. Parce qu'il faut être prudent. Mais il ne faut pas mettre des péages partout. Il ne faut pas mettre des péages partout. À mon avis, le péage n'est pas à bannir. Le péage n'est pas à bannir. C'est un impôt indirect comme tout autre impôt. Je vous ai parlé du paquet de cigarettes. C'est un impôt indirect. Donc le péage aussi est un impôt indirect. Mais comment tu mets ton impôt indirect pour que ça impacte positivement le peuple? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tous ces éclaircissements. Je vais maintenant donner la parole aux jeunes. Je vais aller vers la régie et les organisateurs pour qu'ils donnent la parole à certains jeunes, parce qu'ils sont venus là pour échanger avec vous. Ils ont quelques questions qu'ils voudraient vous poser. Donc, je vais leur donner le micro pour qu'ils puissent poser directement vos questions. Merci à Béric. Nous allons... Camarades, est-ce que vous êtes là? Voilà. Excellent, Monsieur le Président, nous n'oublions pas que nous sommes à la fête de la Renaissance. Pour cela, j'invite le chœur Vox Angelus à nous donner un air musical d'aération d'abord. Zouglou, Sei. On vous entend pas. Zouglou, Sei. Voilà, est-ce qu'on peut se lever? Voilà, tous, on se lève tous. Voilà. On va danser pour le père. Zizi grenyo, tuo, 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 lenyo. Zizi grenyo, tuo, 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 lenyo. Zizi grenyo, ibe, ibe, sa. Seko. Zizi grenyo, tuo, tuo. Ah, hey. Zizi grenyo, ibe, ibe, sa. On bouge ensemble. C'est bon. Zizi grenyo, tuo, tuo. On y va tout le monde. Les mains en l'air comme ça, tout le monde. L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Bien que poussant, puis de jour sous la pluie et le soleil, je ne peux pas pour que demain soit meilleur. Oh, mais là, là encore, y en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh, là, là encore, y en a qui sont même pas contents. Zizi grenyo, tuo, 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 lenyo. Zizi grenyo, tuo, tuo,
ça. Oui, oh, la la, on boit. La la, qui sont même allez, tout le monde, allez, tout le monde, tout le monde. Zizi Grano, tout, l'agneau. Zizi Grano, tout, ah, si beau, ah, si beau, ah, si beau, ah, si beau. D'abord, comment pour mes enfants? D'abord, comment pour ma famille? Écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu.
vie, mes amis. Écoutez, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Attendez, ça va, oh mes amis, mes amis. Écoutez, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Hey! Allez, t'en bonne, 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 José, José, oh, chaud, oh, vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président, les jeunes disent que cette journée, c'est la journée des bains. Bains même. Bains mieux que. Bains mieux que. Ou Bagova. Excellences, Monsieur le Président, vous avez voulu échanger avec votre jeunesse. Elle est venue massivement. Nous allons permettre à nos représentants dans la salle, il s'agit de Edouard Niabré et Joviani Meledj, de passer avec leur micro pour que les jeunes puissent poser directement leurs questions au président Laurent Gbagbo, à leur président. Merci. Merci César. On va prendre la première question dans cette rangée. Après quoi, on va évoluer jusqu'à la dernière rangée. Allons-y donc. Alors, lève le bras pour qu'on te voie. OK, juste à ma droite. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chère Assemblée. Avant tout propos, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir donné la parole. Voilà, je suis Diara Ami et je suis étudiante à l'université de Jean-Lerouillon Guédé en master 1 de droit privé. Voilà. Précisément, je suis en carême, mais j'ai effectué le déplacement tellement cet événement-là me tenait à cœur. Parce qu'il y avait une question vraiment très urgente à poser au président, M. Laurent Gbagbo. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, M. le président, vous êtes revenu, bonne arrivée à vous. On attendait votre retour. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? Je ne sais pas si ma question a été bien perçue. D'accord. Donc, je voudrais savoir, Monsieur le Président, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une deuxième question. Une deuxième question. Nous allons jusqu'à 5 questions. On interroge là encore une jeune dame. Vous présentez. Bonsoir, Monsieur le Président. S'il vous plaît, on fait silence, on écoute la question. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Je me nomme Esther Yao, étudiante en Master 1 à l'Université Félix-Fouet-Boigny. Monsieur le Président, vous avez dénoncé dans
dans l'une de votre interview que la jeunesse ivoirienne a surpeuplé la ville d'Abidjan. Nous voulons savoir, en tant que politique, quelles propositions vous faites à la jeunesse pour qu'elle reste dans les différentes régions. Merci. On va prendre la troisième question, César et tout. Allons-y, on continue. Excellence, Monsieur le Président, soyez respectueusement salués. Je suis Marc Takuo, je suis président national des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire. Et en tant que président national des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire, j'ai décidé personnellement ici pour venir vous, à vos chevets, déposer les problèmes des étudiants. J'ai une doléance et j'ai une question. Monsieur le Président, ma doléance, vous savez-vous que depuis 2018, le concours du CAPA est fermé aux étudiants de Côte d'Ivoire. Depuis 2018, ça fait 5 ans que le CAPA n'a pas encore été mis en place pour que les étudiants juristes puissent être avocats comme Maître Abiba Touré. Savez-vous que nous avons 500 avocats pour une population de près de 30 millions de population. Et ça fait un ratio de 50 000 avocats pour 50 000 personnes pour un seul avocat. Et c'est vraiment difficile. Donc vous, puisque votre voix porte plus, vous avez parlé de la jeunesse, l'État de Côte d'Ivoire a parlé de la jeunesse. Vous avez parlé aussi des chambres des universités qui ont été aussi ouvertes, les chambres. Donc nous demandons que vous puissiez aussi parler du concours de CAPA pour que l'État de Côte d'Ivoire fasse quelque chose. On a vu le ministère dit c'est le barreau. On voit le barreau dit on a compris. Mais vous aussi dites quelque chose pour que le concours de CAPA soit ouvert afin que nous ayons des avocats comme Maître Abiba Touré. Ma question est la suivante. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez dit que la fonction publique ne peut pas accueillir tous les étudiants. Et alternativement, l'entrepreneuriat est une solution. Donc vous, en tant que chef de parti, qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse inciter et accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat? Je vous remercie. Merci. On va prendre les questions. Je vous assure qu'on aurait aimé qu'il y ait 4000 questions. Donc on essaie d'être pragmatique. On va prendre 5 premières questions et après quoi, on va aviser. Edouard Yabré. Voilà, c'est bon comme ça. Voici un autre jeune homme qui pose sa question. Ok. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Aristide Kaza. Mais tu ne vois pas. On fait moins de bruit et on écoute les questions, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Aristide Kaza, entrepreneur dans le domaine du VTC. Monsieur le Président, nous constatons généralement qu'à l'approche des élections, les jeunes craignent pour leur sécurité, pour ne pas dire pour leur vie. Ceci étant, donc je disais, Monsieur le Président, nous constatons qu'à l'approche des élections, les jeunes Ivoiriens craignent pour leur sécurité, pour ne pas dire pour leur vie. Ceci étant, Monsieur le Président, quelle solution avez-vous afin qu'il y ait des élections apaisées, ce qui va rassurer l'ensemble de la jeunesse ivoirienne? Quelle solution, Idoine, avez-vous pour cette jeunesse-là, pour qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Par ailleurs, nous constatons également que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique en Côte d'Ivoire parce que ces jeunes-là n'ont plus confiance aux politiciens. Ils estiment que les politiciens sont en quelque sorte des démagogues. Nous aimerions que vous rassurez cette jeunesse-là pour que la jeunesse s'intéresse plus à la politique. C'était un peu les deux questions que j'avais pour vous, Monsieur le Président. Ok. Merci. Edouard, on va prendre la dernière de la série, après qu'on va revenir. Je rappelle qu'il y a aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions en ligne et on en viendra tout à l'heure aux questions des internautes. Vas-y, Giovanni. Merci. Je voudrais saluer respectivement le président Laurent Gbagbo et notre sœur Abiba.
pour son intervention tout à l'heure. Je suis Bissé Assamoah et je suis entrepreneur e-commerce et agricole. Je voudrais poser plusieurs questions, mais une seule sera très pertinente. Alors, nous avions vu et entendu également, jour après jour, dans les médias occidentaux, nous avions vu nos frères mourir dans la Méditerranée et nous avions vu beaucoup d'Africains également s'indigner. Et nous, c'est avec beaucoup de regrets et vraiment, c'était difficile de voir nos frères comme ça partir sans nous dire au revoir. Et la question que je voudrais poser, c'est que nous croyons déjà que vous seriez bientôt au pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait vraiment expliquer cet exode de nos frères, en majorité subsahariens, vers l'Europe? Et de votre part, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'endiguer? Merci. Ok, c'est ça et tout. Je te passe le micro pour la réponse à cette première série. Merci pour vos efforts. Je reviens à Albéric. Albéric, la parole est à toi et à ton invité. Merci César et tout. Nous allons essayer de résumer les questions pour le président. Je sais que la première question portait sur la confiance au leadership. Confiance. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse confiance à votre leadership au détriment des autres leaders politiques? Ça, c'est la première question. Je vais répondre d'abord à cette question. C'est une demoiselle, là, oui, une demoiselle qui est en face de moi qui avait posé cette question. Mais elle n'est pas obligée. Je veux dire que elle n'est pas... Elle n'est pas obligée de faire confiance en tel homme politique ou en tel autre. Les hommes politiques sont comme des commerçants. Chacun vend sa marchandise. Toi, tu viens au marché, tu regardes, tu achètes ce qui te plaît. Voilà. Et jamais, on ne t'arrêtera ou on ne te mettra en prison parce que tu as acheté telle marchandise au lieu de telle autre. Jamais. Donc, nous, ce que nous avons, c'est la parole. On a la parole pour dire. Mais une fois que vous choisissez, c'est trop tard. Vous nous avez donné le pouvoir, déjà. Et avec ce pouvoir-là, on peut même vous arrêter. Vous voyez bien. Oh! Aujourd'hui,
La chance que vous avez, c'est que la plupart, enfin, il y a au moins trois qui ont été au pouvoir, qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Nous sommes au moins trois. Et vous avez vu comment chacun agit. Vous avez vu ce que chacun a fait. Par rapport à ça, vous choisissez. Et vous êtes libre. Et vous êtes libre. Voilà. Voilà. N'est-ce pas, mademoiselle? Voilà. La deuxième question. Oui. La jeune demoiselle a fait remarquer que vous avez dit qu'il y avait une surpopulation. Les étudiants. Oui, oui. Les jeunes viennent en nombre dans les grandes villes comme à Abidjan. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les jeunes soient intéressés par les zones rurales? Oui. Effectivement. Je pense que Abidjan est surpeuplé. Abidjan est surpeuplé. Même tout à l'heure, quand on venait là, c'est pas Abidjan de samedi, ça. Avant, les samedis à Abidjan, on prenait sa voiture pour aller se promener et revenir. Aujourd'hui, Abidjan est vraiment surpeuplé. Et quand j'étais président, j'avais trouvé bonne l'idée contenue dans la loi que Oufoué avait fait voter en 82, de transférer la capitale à Yamoussoukro. Au moins, ça allait désengorger Abidjan. Et je pensais fort que comme cette loi existe, on peut s'appuyer dessus et puis créer des infrastructures gouvernementales pour désengorger Abidjan. Mais comme les ministères ne suffisent pas comme infrastructure gouvernementale, il faut les directions de ceci, les directions de cela. Et qu'on ne pourrait pas faire ça très vite. J'ai achevé rapidement la construction de l'autoroute entre Abidjan et Yamoussoukro. L'autoroute s'était arrêtée à Saint-Grobo avant. J'ai construit l'autoroute entre Saint-Grobo et Yamoussoukro et ça s'est achevé. J'ai construit l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale devait nous être livrée, je l'ai confiée à Pierre Fakouri, hein, et pour l'autoroute, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes qui m'ont proposé la société Soroubat, qui est une société tunisienne qui a fait le travail jusqu'à Yamoussoukro.
Et puis, donc, Pierre Fakouri a construit donc l'Assemblée nationale qui devait m'être livrée en 2012. On m'a arrêté en 2011. On va arrêter en 2011. Bon, on a continué. J'ai commencé à construire la présidence de la République. Ayam Soukro. Mais tout le monde peut aller visiter. Hein? Vous pouvez aller visiter l'Assemblée nationale, la présidence de la République. Bon, quant à l'autoroute, vous pouvez aller dessus jusqu'à Yamoussoukro. Donc, voilà. Et pour moi, ça devait être la grande opération de désengorgement d'Abidjan. Si la capitale est transférée à Yamoussoukro, si les services y sont transférés, Abidjan est de facto désengorgé, mais cela n'a pas été fait. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Il faut faire la décentralisation vraie. Vraie. J'ai dit vraie. C'est-à-dire, il faut créer les conseils généraux des départements et après, créer une dizaine de régions parce qu'il faut que chaque région, moi je ne suis pas pour 33 régions, ça ne sert pas à grand chose, mais il faut que chaque région ait au moins un CHU et au moins une université. Et ça, c'est possible quand c'est 10. Mais si vous dites 33, bon, donc, mais tout cela n'a pas été fait. Tout cela n'a pas été fait. Donc, chère madame, c'est une dame qui a posé cette question. Voilà, chère madame, pour désengorger Abidjan, premièrement, il faut mettre la capitale à Yamoussoukro. Les infrastructures existent déjà. Les infrastructures existent déjà là-bas. Il faudra 12 mois pour les achever. Et comme ça, vous allez voir qu'à Abidjan, il y a moins de circulation. Parce que je vous assure, c'est terrible, la circulation à Abidjan. Quand il m'arrive de vouloir aller chez mon défunt ami Sangaré Abdourahmane, c'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe. À Cocody même. À Cocody même. De Cocody à Cocody. De Cocody à Cocody. La troisième question de notre ami étudiant aussi, il se désole de la fermeture du concours du CAPA qui est ah, oui.
Un concours pour les jeunes étudiants en droit qui veulent être avocats. Pour ceux qui veulent être avocats. Et ce concours est fermé aux étudiants ivoiriens depuis 2018. Donc, ils sollicitent votre aide pour la réouverture de ce concours aux étudiants ivoiriens. Et puis, il parle aussi de... Il dit que vous avez déjà... Cher ami, vous dites que depuis 98... Non, 2018. On a pris depuis 90. 2018. Vous dites que depuis 2018, on n'a plus passé le CAPA. Le concours est fermé pour les étudiants ivoiriens. Le concours est fermé. Bon. Il sollicite votre aide. Bon. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire puisque... On va voir. On va. Moi, ce que je peux faire, c'est de parler. Donc, je vais parler. Je vais parler, mais je vais dire que il faut laisser toutes les portes ouvertes pour les étudiants qui veulent sortir. Celui qui veut être avocat, il n'a que le CAPA pour sortir avocat. Si vous ne faites pas, vous n'organisez pas le concours du CAPA, lui, il devient quoi? Lui, il devient quoi? Oui, ça c'est... Bon, nous allons en parler. Nous allons en parler, cher ami. Nous allons en parler. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Il y a... Bon. On en parlera. Je vais en parler. Voilà. La quatrième question porte sur l'insécurité à l'approche des élections. Le jeune homme s'inquiète, puisque les jeunes sont la cible de l'insécurité à l'approche des élections. Donc, il vous demande qu'est-ce que vous comptez faire pour des élections apaisées. Ouais. L'insécurité avant, pendant et après les élections. C'est ça. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et qui concerne le tiers-monde. Quand on dit qu'en Suède, il va y avoir des élections, ce n'est pas une guerre qu'on annonce. Quand on dit qu'en Angleterre, il va y avoir des élections, on n'annonce pas une guerre. Et à part, mis à part le couac de Trump dont les supporters sont allés prendre d'assaut le Capitole. Après sa défaite, ça n'arrive pas non plus aux États-Unis d'Amérique ni au Canada. Mais dans le tiers-monde, là, quand on dit qu'une élection arrive, ça veut dire que la guerre arrive. Ça veut dire... Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas les résultats des élections. Les gens n'acceptent pas les résultats. Regardez en 2010. Le
Conseil constitutionnel vient et dit « c'est Gbagbo qui a gagné ». Et hors délai, chaos, deux ambassadeurs prennent le président de la CEI, le président de la CEI, et l'amène au siège de campagne d'un candidat. Au siège de campagne d'un candidat. Vous voyez, l'hôtel du Golf, c'était le siège de campagne d'un candidat. Et là-bas, on appelle une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer et qui annonce que non, c'est Ouattara qui a gagné. Ça, il faut être dans le tiers monde. La Constitution dit. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des élections. C'est écrit. C'est écrit. Or, le Conseil constitutionnel dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais voilà, Gbagbo, il est assis ici aujourd'hui. Vous voyez, donc, il y a trop d'intérêts qui rentrent en jeu quand il s'agit d'une élection en Côte d'Ivoire et en Afrique. On raconte n'importe quoi et on finit par se battre. On finit par se battre. Et tant que les Africains resteront avec cette mentalité, hélas, ce sera des bagarres, ce sera la guerre. Hélas. Regardez les actualités. Il y a des pays où la guerre a déjà commencé, mais c'est à cause des élections. Je ne vais pas dire les noms des pays pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques, mais il y a déjà des bagarres. Il y a déjà des bagarres qui ont commencé. Et ceux qui sont au pouvoir souvent cherchent les moyens de supprimer la candidature de leurs opposants. On dit non, il est condamné à temps. Non, on le gracie. On le gracie comme ça. Pour le moment, il y a deux pays où des opposants sont graciés. Ce pays-là, et le nôtre. Et le nôtre.
ce pays-là est le nôtre, où les opposants sont graciés, c'est-à-dire que leurs fautes demeurent, des fautes qu'on leur a collées comme ça. Leurs fautes demeurent. Alors, ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. J'ai cité hier Nicolas Sarkozy. Lui, je peux le citer parce que il m'a fait tellement de mal que si je le cite, c'est pas grave. Ouais. Mais lui, malgré tout ce qu'il a fait et malgré tous les va-et-vient qu'il fait devant les tribunaux, on n'a pas suspendu sa candidature. Sa candidature n'est pas supprimée. Donc s'il veut, demain, il peut être candidat encore. Mais ici, dès qu'on voit que tu as rempli un peu la place Figaro et on dit bon, lui il a 20 ans. On dit 20 ans. Bon. 20 ans est devenu le surnom de notre pays. Quand je cause avec les amis, on dit ah, chez vous c'est 20 ans. 20 ans. Allez. Ouais. La dernière question est du jeune entrepreneur en e-commerce. Lui, il s'inquiète, il cherche à comprendre ce qui explique l'immigration clandestine. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'endiguer? Oui. Il y a l'immigration clandestine. Permettez-moi de déplorer les centaines et les centaines de morts dans le désert et dans la Méditerranée. Mais c'est le même pays que nous gouvernons. Et je ne fais pas de polémique, mais je veux attirer l'attention sur le fait que au temps où Gbagbo Laurent était président de la République, les gens n'allaient pas mourir en mer. Reprenez les journaux, revérifiez les informations. Au temps où Gbagbo Laurent était président de la République, les jeunes Ivoiriens n'allaient pas mourir en mer. Ça au moins, c'est un fait. C'est un fait. Même quand on nous a fait la guerre, et on nous a fait la guerre, et elle a duré 9 ans, de 2001 en 2010. Donc, c'est déplorable.
que les jeunes Ivoiriens aillent mourir en mer. C'est déplorable. Mais il faut faire en sorte que les Ivoiriens, que les jeunes Ivoiriens ne prennent pas la route ni du Sahara, ni du Sahel, ni du Sahara, ni de la Méditerranée. C'est pourquoi il faut qu'on fasse en sorte que les jeunes cherchent leur travail ici, chez eux. Ici, chez eux. Vous comprenez? Vous comprenez? Ici, nous vivons en harmonie avec tous les autres frères de l'Afrique de l'Ouest. Ici. À Trècheville, quand j'étais petit, quand on voulait voir un Guinéen, on allait à l'avenue 3, rue 28, qu'on appelait la Guinée-Sau. La Guinée-Sau. C'était la Guinée-Sau, c'est-à-dire la cour des Guinéens. Quand on voulait voir un Sénégalais, on allait à la mosquée de l'avenue 8, à Trècheville, puisque les Noirs étaient à Trècheville, quelques-uns à Djamé, et les Blancs étaient au plateau. Mais on a toujours vécu comme ça, et je crois qu'on peut vivre comme ça. On peut vivre en cherchant du travail et en créant du travail chez nous. En cherchant et en créant du travail chez nous. Vous voyez, l'igname, qu'on récolte dans le nord de la Côte d'Ivoire. De Bondoukou à Ogéné, l'igname. Mais vous ne savez pas combien de milliers d'emplois l'igname a créé. Allez acheter l'igname et venir le revendre sur les marchés du Sud. Surtout sur ceux d'Abidjan. Ça crée des milliers d'emplois. Ça, vous ne le savez pas. Nous, on le sait parce qu'on avait les documents. Et les plus forts dans ce job là, c'était les Nigériens. Vous comprenez? Donc, il y a, bon, les femmes gourou, elles se sont illustrées dans le marché du riz. Il y a des niches d'emploi. En Côte d'Ivoire, il y a des niches d'emploi. On n'a pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée.
Mais Abiba Touré, que vous voyez là, c'est une enfant de là-bas. Elle a fait le chemin inverse. Et c'est le chemin inverse là que je veux. C'est ce chemin inverse que moi je veux. Voilà. Monsieur le Président, le temps avance. Nous savons que vous êtes un homme de culture passionné de lecture, mais aussi de musique. Et ça fait déjà un peu longtemps que ce nombreux public de jeunes vous a attendu, vous a écouté. Est-ce que vous pourriez leur proposer quelques notes de ce que vous savez faire en musique pour détendre un peu l'atmosphère? César. César. Bon, ben, je te confie le président. D'accord. Camarades, vous savez que, chers amis jeunes, nous sommes à une fête. C'est la fête de la Renaissance, première édition. Il y a beaucoup de musiciens dans cette salle. Et le premier parmi eux, vous ne le savez pas, s'appelle Laurent Gbagbo. Il va venir au piano et il va égrener quelques notes pour nous. Est-ce là, monsieur le président? C'est une chance extraordinaire d'avoir le président lui-même. Pour nous aérer au plan musical. Bien sûr, ils vont. Chers amis, comme il y a le grand musicien derrière vous, vous pouvez venir vers ici après, quand il va commencer à jouer, pour que le public puisse le voir. Sinon, on va avoir des problèmes. Laurent Gbagbo. Innovation pour l'artiste. Je dirais une standing innovation pour le président Laurent Gbagbo. Levez-vous! Levez-vous! Innovation, innovation pour le chef. Et
On fait une belle ovation pour ce grand moment d'histoire. Première édition de la fête de la Renaissance, après la journée militante, la rencontre avec les jeunes au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville, de surprise en surprise. Les meilleurs chefs. Quand vous avez une personnalité multidimensionnelle de cette nature, vous savez bien que vous pouvez lui confier votre pays sans crainte. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Abéric, veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut enclencher la suite? Merci au cœur Vox Angelus. Merci beaucoup. Abéric, avec ta permission, on va enclencher tout de suite avec les questions des internautes. César, tu peux y aller. Ok. Je demande donc à Joviani et à Edouard de nous sélectionner trois questions. Comme le temps est très avancé, nous allons prendre trois questions. Vous avancez. Alors, voilà. Monsieur César,
Nous avons plusieurs jeunes sur Internet qui se bousculent okay. pour avoir l'opportunité de poser des questions au président. Parmi ces jeunes, celui qui est chanceux aujourd'hui, c'est Mamadou Fall, un jeune panafricaniste sénégalais qui réside bien sûr à Dakar. C'est sa question qu'on a sélectionnée. Elle s'affiche à l'écran là. Sa question a deux volets. Alors il demande, quelle est, monsieur le président, votre vision du panafricanisme? En quoi le panafricanisme est-il la solution pour le développement de l'Afrique? Je reprends. Quelle est votre vision du panafricanisme? En quoi le panafricanisme est-il la solution pour le développement de l'Afrique? C'est la question de Mamadou Fall depuis Dakar. Deuxième question. C'est la seule question que nous avons sélectionnée. Abéric, je reviens à toi pour répercuter la question à ton invité. À Monsieur ton le Président, invité. Vous venez d'écouter, c'est M. Mamadou Fall. Il a posé une question depuis le Sénégal. Il demande quelle est votre vision du panafricanisme et en quoi le panafricanisme peut être efficace pour le développement de l'Afrique. Merci. Vous savez, la première version du panafricanisme écrit par Kwame Nkrumah, Africa must unite. Elle était très idéologique. Et elle visait à rassembler tous les Noirs, les Antillais, les Noirs américains, les Africains, etc. Les Sud-Américains, Noirs. Aujourd'hui, moi je donne une dimension plus réduite au panafricanisme. Et je me limite à la donnée étymologique du mot. Pan, qui veut dire tout Africa, toute l'Afrique. Mais pourquoi vous savez, la Côte d'Ivoire produit le cacao a été découvert en Colombie. Puis il est passé au Brésil. Du Brésil, il est venu en Gold Coast. Et les Agnis de Côte d'Ivoire ont pris le cacao en Gold Coast. C'était leur cousin. Et ils l'ont amené en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit environ 40% du cacao mondial. Le Ghana voisin, l'ancienne Gold Coast, produit environ 20 à 25% du cacao. Nous deux, ça nous fait 60% du cacao. Plus le Cameroun de John Frundi, etc. Si tous les pays africains producteurs de cacao pan-africains
se mettent ensemble, nous produisons, nous pouvons imposer un prix de vente. Nous pouvons imposer un prix de vente. Alors qu'en ce moment-ci, c'est un prix d'achat qui nous est imposé. C'est-à-dire que ce sont les acheteurs du cacao qui nous imposent leur prix. Moi, je souhaite que nous, les producteurs, nous imposions un prix de vente. Tel est mon objectif. Tel est mon objectif. Alors, mais il n'y a pas que le cacao. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a l'EVA, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Si les pays africains se mettent ensemble ils sont capables de révolutionner le monde. Mon passage à l'université m'a montré des choses. Avant, les universitaires, pour changer de grade, pour passer d'assistant à maître assistant, de maître assistant à maître de conférence, de maître de conférence à professeur titulaire, ils allaient se faire expertiser en France. Un jour, Joseph Kizerbo a dit trop, c'est vraiment trop. Donc Kizerbo a créé une structure dans laquelle aujourd'hui les Africains s'auto-évaluent. Et cette auto-évaluation fait que les Africains n'ont plus besoin d'aller en France pour changer de grade. Ils deviennent maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire, en Afrique même. Et dès l'instant où c'est l'Afrique même et que le contenu de l'Afrique est un contenu costaud au niveau de la connaissance, tous les autres continents reconnaissent cela. Voilà quelques exemples que je vous donne. Alors, on nous a imposé au moment de la colonisation des cultures complémentaires et non concurrentielles. C'est le terme savant qui avait été utilisé. Par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Dahomey à l'époque, produisait le palmier à huile, la Côte d'Ivoire, le café et le cacao,
la Guinée, la banane dite Conakry, parce qu'elle venait du port de Conakry. Sinon, c'était la banane, comment on appelle, plantain, non? Non, pas plantain. Hein? Poyo, banane poyo. Voilà, la banane poyo. Si les États africains se mettent ensemble, si les États africains se mettent ensemble, si les États africains se mettent ensemble, ils vont décider de faire des productions complémentaires. Des productions complémentaires. Vous voyez, aujourd'hui, on importe le riz de Thaïlande, de Manille, des Philippines, alors que ici même, en Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Burkina, le baraque de Sassandeng au Mali, etc., c'est des grands espaces pour cultiver le riz. Vous comprenez? Le panafricanisme. Moi, quand j'étais président, on achetait le pétrole brut au Nigeria, que la cire transformait. Mais il y en a qui allaient jusqu'au Venezuela pour acheter le pétrole brut. Il a dit, mais pourquoi vous allez si loin? Ici, au Nigeria, là, il y a le pétrole. En Angola, là, il y a le pétrole. Maintenant, au Ghana, il y a du pétrole aussi. Pourquoi au Cameroun, il y a du pétrole? Pourquoi au Congo, il y a du pétrole? Pourquoi aller jusqu'au Venezuela? Mais ce n'est pas eux. C'est parce que les chefs d'État ne sont pas maîtres de leurs actions. Vous comprenez? Donc, le panafricanisme, c'est la mise en commun par les États africains de leur capacité pour avancer. C'est la mise en commun de leur capacité pour avancer. Vous comprenez? C'est ça. Ce qu'on peut trouver en Afrique, ce n'est pas la peine d'aller le chercher en Thaïlande ou au Venezuela. Ce qu'on peut trouver dans un pays voisin, mais achète-le
dans un pays voisin. Ne serait-ce que le transport te reviendra moins cher. Mais on ne comprend le panafricanisme que quand on a des crises. Quand on m'a arrêté en 2011, mes camarades qui ont fui, ils sont allés se réfugier au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin. Ça, hein. Quand on souffre là, on sait qu'il y a des pays africains à côté. Mais quand on ne souffre pas, non, on s'en va très loin. C'est ça que je veux supprimer. C'est ça que je veux supprimer. Et les produits de nos industries peuvent être vendus dans les autres pays africains. Nous qui produisons du cacao, si nous fabriquons du chocolat, on peut le vendre au Burkina, au Mali, partout. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre d'échange. Nous savons que vous êtes un redoutable homme politique. Pour certains, vous êtes un génie politique. Pour d'autres, un félin politique, pour ne pas utiliser un autre vocable. Si on vous invite à animer un meeting pour ces jeunes, que leur diriez-vous pour qu'ils repartent chez eux remplis d'espoir à la veille de la fête des rameaux et aussi à la clôture de la première édition de la fête de la Renaissance. César. Merci Abéric. Nous allons tout à l'heure inviter Son Excellence Monsieur le Président Laurent Gbagbo à venir au pupitre. Vous patientez juste un instant pour délivrer le message de la fin de la première édition de la fête de la Renaissance. Mais avant d'y arriver, excellent Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais signaler, parce que à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur, que l'organisation de cette première édition de la fête de la liberté, la supervision de la fête de la Renaissance, autant pour moi, vous savez, on a fait ce truc-là pendant 30 ans, et les choses comme ça, on l'a peau dure, de la fête de la Renaissance. La supervision a été confiée à un homme de très grande humilité, un homme effacé, un homme dévoué à la cause du PPACI et à votre cause. Il s'agit de l'ambassadeur Emmanuel Aka, superviseur général de la première édition de la fête de la Renaissance. Je souhaite qu'il se lève pour qu'on l'applaudisse très fort. Excellence, avancez un peu. Pour qu'on vous voie la lumière. Excellence, merci. Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as dû mettre en jeu pour que cette fête soit une réussite mémorable. Excellent, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de la cérémonie de la première édition de la fête de la Renaissance. Vous avez échangé avec les jeunes. C'est à vous qu'appartient toute la place pour leur délivrer le message de fin, le message de l'espoir. Merci beaucoup. Le pupitre qui est là est le vôtre.
vous a toujours dit que la nuit porte conseil. Vous venez d'en avoir la preuve. Bonjour, chers amis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je sais que nous sommes en carême. Les musulmans, c'est le mois de Ramadan. Et les chrétiens sont en carême. Nous, les chrétiens, nous sommes en carême. Donc, je ne vais pas faire un meeting ici. J'ai déjà parlé hier. Mais c'est pour vous remercier d'être venus. D'être venus très nombreux. Pour vous remercier d'être venus très nombreux. Très, 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 très nombreux. J'ai été jeune. J'ai été jeune. Et j'ai été jeune, pauvre. J'ai été jeune et pauvre. Donc la vie n'était pas rose. La vie n'était pas du tout rose. Mais on s'est battu. On s'est battu. J'ai ici ma sœur. On se battait ensemble. Quand on était à l'école primaire, on était au quartier Doula. On lavait les marmites. On lavait les assiettes pour pouvoir avoir à manger. On a lutté. Ensuite, cette lutte-là nous a permis d'aller au collège. Moi, j'ai été d'abord au séminaire Saint-Dominique Xavier de Gagnoua, puis au lycée classique d'Abidjan. Ma sœur était au lycée des jeunes filles de Boaké. Et c'était un jour heureux pour notre maman. Le jour où j'ai eu mon bac, c'est ce même jour-là que ma sœur a eu son brevet. J'ai des gens, il faut se battre. Il faut se battre. On n'a rien sans combat. On n'a rien sans combat. Vous pouvez vous gonfler la poitrine, mais tant que vous ne vous battez pas pour arriver à vos fins, tant que vous ne vous battez pas pour vous en sortir, tant que vous ne vous battez pas, vous n'aurez rien. Des gens peuvent venir vous raconter n'importe quoi. Viens, je te donne ça. Viens, je te donne ça. Viens, je te donne ça. Exactement, ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Ça ne paye plus.
ce qui t'appartient, c'est ce que tu as réussi à mettre dans ta main et dans ta poche par ton combat. Donc, bats-toi. Que chacune et chacun d'entre vous se batte pour arriver au sommet. Ce que je vous souhaite à chacune et à chacun, c'est d'arriver au sommet. Il faut arriver au sommet, mais la seule condition pour arriver au sommet, c'est qu'il faut grimper. Il faut grimper, ça veut dire qu'il faut se battre. Il faut se battre. Je voudrais remercier ceux qui sont venus de partout. D'abord, mon ami John Frundi. Ni John Frundi. Celui qui s'est battu, comme moi je me suis battu ici, au Cameroun. Celui qui s'est battu, il est là. Parce que je suis sorti de prison, il est venu me saluer. Je voudrais une ovation pour lui. Les jeunes, j'ai vu une délégation du Burkina. Mais le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. C'est tout vrai Burkinabé connaît Abidjan et tout vrai Abidjanais connaît Ouaga. Je vous salue, je vous remercie beaucoup d'être là. Je salue mon vieil ami qui est malade maintenant, Alidou Ouedraogo. Je le salue, il est malade, mais bon. Je salue Philippe Ouedraogo. Voilà. Chers amis, nous avons fait la première édition de la fête de la Renaissance. Même les choses les meilleures ont une fin. Nous sommes à la fin de la première édition de la fête de la Renaissance. Bonne fin de carême. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans Yahweh.
donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sang.